Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un calendrier de l'Avent pour bébé. Celui-ci est destiné à un bébé de 1 an, donc encore trop petit pour manger des chocolats. Mais je voulais quand même lui proposer un petit quelque chose en attendant Noël, même si à 1 an, pas sûr qu'il comprenne bien le principe du calendrier de l'Avent, mais il faut bien lui proposer pour qu'il apprenne. L'idée est très simple, il s'agit de 24 petits morceaux de papier avec des bons pour différentes activités avec papa, maman, les grands-parents. Et le principe va être de lui faire piocher un papier chaque jour, de le lire avant qu'il ne le mange puisqu'il en est toujours à mettre absolument tout à la bouche et de faire l'activité en question. Pour réaliser les petits bons, j'ai utilisé toujours mon même bloc de papier de Noël de chez Action que j'ai acheté en 2019. Vous vous en souvenez peut-être si vous étiez déjà là. J'avais acheté 3 blocs que vous avez vus ces dernières années pour les réalisations de calendriers de l'Avent et de couronnes de Noël. Et là, j'ai utilisé uniquement des chutes du bloc coloré. Je vous laisse regarder les bons que j'ai écrits et si cela vous intéresse, je vous les mettrai tous dans la description de la vidéo.
Ensuite, j'ai voulu réaliser une boîte d'après mon tuto de la boîte façon boîte d'allumettes avec la 1, 2, 3 punchboard, mais les bords ne sont pas du tout assez hauts. En fait, j'avais pas de chute de papier assez grande pour faire une boîte de la bonne taille. Donc, je pense que les bons vont finir dans un petit panier. Voilà pour cette idée très simple mais qui permet tout de même de proposer un petit calendrier de l'Avent à un bébé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires si vous proposez un calendrier de l'Avent à votre bébé et si oui, sous quelle forme. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!